Salut les gens, c'est M25 et aujourd'hui me revoilà l'entrepreneur pour une nouvelle vidéo découverte cette fois-ci puisque je vais vous faire découvrir le jeu Ace of Spades. Donc je vais un peu vous expliquer le concept de ce jeu, etc. Donc Ace of Spades, c'est un jeu qui mélange un peu un... Merde. Qui mélange Minecraft et puis un FPS. C'est un peu comme Brick Force, un jeu qui est sorti un peu plus récemment pour ceux qui connaissent. Mais sauf que celui-là est plus vieux et puis écoute, il pèse rien du tout sur l'ordi. Merde. Putain, c'était ouf. Donc voilà, comme vous voyez, c'est un mélange de Minecraft et puis de FPS. Donc on a trois possibilités d'armes. Je sais c'est pas beaucoup mais c'est pas mal comme jeu. Par contre je vois pas où c'est qui sont les mecs. Ça me dérange bien. Donc en gros le but c'est en fait pour l'installer c'est tout simple. Si vous voulez dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous envoie le lien de téléchargement. Alors en fait vous téléchargez sur le site le truc. Après il pèse rien, il pèse 5 MO, 5 mégaoctets je crois. Donc ouais, c'est vraiment il pèse rien. Et après vous allez sur la page du site, vous allez dans les serveurs, là vous lancez un serveur, vous appuyez sur la liste sur le nom de serveur et puis il va se lancer, le jeu va se lancer. Donc c'est pas un jeu sur internet. Hein. Non non non. C'est pas un jeu sur internet, mais c'est à lancer depuis internet. Là il y en a des ennemis là-haut mais. N'arrive pas à les atteindre. Ils nous gênent bien ces mecs là-haut. Je vais essayer de les contourner. Donc voilà, après vous faites le jeu, puis voilà. Donc vous avez deux équipes, puis le but c'est de récupérer le drapeau. C'est pas un drapeau, mais c'est tout comme de l'autre équipe en fait. Puis après, là vous gagnez. Enfin, ça vous fait un point, puis il y a du temps aussi, mais on le voit pas à l'écran là. Et puis ça au bout de tant de temps ou de temps voilà là vous voyez en bas à gauche j'ai écrit Xeron has the green intel, ça veut dire que Xeron qui est dans mon équipe qui fait partie des bleus et ben il a réussi à avoir le drapeau vert en quelque sorte et donc là son but c'est de le ramener à la base. Putain. Donc son but c'est de le ramener à la base pour nous faire un point. Après je sais pas combien c'est de points qu'on gagne, mais faudrait que je vois ça. Puis sinon, c'est donc voilà. Une partie ça dure entre 5 à 20 minutes pour les vraiment les plus grosses. Les serveurs, c'est des petits serveurs de 30, enfin, petits serveurs, ils peuvent quand même accueillir 32 personnes, donc c'est déjà bien. Il y a plein de maps, vous pouvez vous faire vos propres maps aussi si vous avez un serveur. Fuck! Putain, il était où? Ah, il était là-bas, ce bâtard. Bon, je vais essayer de faire un bon gameplay un peu. Donc, je vous conseille d'essayer ce jeu. Hein. C'est vraiment un bon jeu, moi je trouve. Putain, il y en a là-haut. Je vais essayer de. J'arrive à les avoir avec ma grenade. Passer où? Et je vais essayer de les avoir là. Désolé, je commande pas beaucoup là, mais je suis concentré. Bah, y a personne. Il l'a tué le mec. Moi, je vais aller de ce côté-là, parce que il me semble qu'ils viennent de ce côté-là. Je vais prendre la mitraillette après parce que. Putain, ah, il est là ce bâtard. Putain, j'arrive pas à le toucher. Oh là, je l'ai eu. Donc, c'est un jeu plutôt bien. Moi, j'y joue pas très souvent. Hein. J'y joue vraiment pas souvent, genre une ou deux fois par semaine, mais moi j'aime bien, ça me fait du bien. Bon, des fois c'est serveur, il y a pas mal de lag quand même des fois.
J'ai eu lui. J'ai pas vu si j'ai eu. Par contre, j'ai plus beaucoup de vie. Bim. Merde. Là, je crois que j'en ai eu un. Ou pas. J'arrive pas à les toucher. Putain, il y en a un là ou quoi? Bah oui, il y en a un là. C'est bien ce que je me disais. Je vais les shooter. Bim. Headshot. Mais c'est qui fait son... C'est qui construit je sais pas quoi là? Tous ces bruits, vous entendez l'espèce de dingue, c'est des... Ouais, j'ai mis très bien le bruit, c'est des gars qui creusent, mais je vois pas où c'est qu'ils sont. Lui, headshot. Ah! Oui, j'ai eu, je crois. Mais je suis pas sûr. Ouais, j'ai eu, j'ai eu. Yes! C'est bon ça. Bim! Oh, c'est méchant ce qu'on leur met. Putain, on est en train de tous les buter là. Oh merde! Ah, oh, fuck! C'est quelle touche pour changer d'arme? Faut que je trouve la. Non, c'est pas ça. Faut que je trouve où c'est que c'est la touche pour changer d'arme. C'est pas M, non. Je trouve pas la touche pour changer d'arme, ça m'énerve. Bon, quoi qu'il en soit, je fais un petit dernier kill. Qu'est-ce qu'il fout ce débile? Je vais essayer de faire un petit dernier kill et puis j'arrête la vidéo là. Comme ça, vous aurez pu vous faire une petite idée du jeu. Ah putain! Voilà, un Ace of Spades, un jeu que je vous conseille. Donc, dites-moi dans les commentaires. Si vous voulez y jouer, moi je vous ferai le lien pour le télécharger comme ça. Tiens, il y a un tunnel là-bas, je vais y aller. Donc je vous ferai le lien pour le télécharger. Puis voilà. Bon allez, à plus!